C'était une manière de communiquer des messages. Et c'était là aussi l'instruction. On vous prenait quelqu'un qui était pauvre. Mais l'habilité du travail, il terminait au village riche. On vous prenait les exemples de ceux qui écoutaient les conseils. Et parfois, on montre la personne qui nous conseillait comme étant une personne qui était pauvre, qui n'avait rien. Mais il a dit, ma fille, il a dit, mon fils, quand tu vas partir, ne te précipite pas de manger dans les bois de l'eau à la rivière. Bois d'eau de l'Onkangourou. C'est la source. Alors tu auras la vie. Alors, ça voulait dire quoi? Quand on parle de la rivière, l'image même dans la Bible de la rivière, d'un fleuve, c'est le monde. Il dit simplement qu'il ne coule pas dans la grande foule du monde. Cherche là où il y a peu de monde. Là où tu peux être éclairé. Là où l'eau est propre. Alors consomme là. Quand tu dis consomme là, veut dire quoi? Obéis à ce qu'ils te disent. Marche comme eux, ils marchent. Alors tu réussiras. C'était le rêve de nos parents. Ils avaient les images. Mais Jésus aussi prend les mêmes images pour nous enseigner. La plupart des gens disent, mais Jésus était blanc. J'aimerais vous choquer peut-être ce matin, Jésus n'a jamais été blanc. On vous dit, nous tous nous sommes là, on dit, quand enfant Jésus fut né, Hérode décida de tuer tous les enfants qui avaient cet âge. On est d'accord? Dieu dit à son père et sa mère, fuyez avec l'enfant en Égypte. L'Égypte était où? Ok. Donc là où Jésus habitait, pour arriver en Égypte, à Thiers. C'était loin. Les Blancs n'ont fait que déplacer seulement les bornes de quoi? Des limites de l'Europe. C'était en Afrique. Vous me pardonnez? Mais j'aimerais vous dire que c'était en Afrique. Marie ne pouvait pas, avec Joseph, ne pouvait pas prendre leur enfant et en une nuit, arriver en Égypte. Voilà. Et aujourd'hui, la science nous démontre que quand on parle du jardin d'Eden, on parle du centre de Mont. Et nous sommes en Afrique centrale. On dit, le jardin d'Eden est bien situé en Afrique centrale. Et le premier pays soupçonné, eh bien, c'est le Gabon, où tout le sous-sol est pourri des biens. Il n'y a pas une richesse qui l'équipe. Et c'est vous qui habitez ce jardin. Et vous le savez pas. Quand le Gabon est béni, j'aimerais vous dire, quand tu es partout dans le monde entier et que tu as raté d'aller en Amérique, en Asie, il faut venir au Gabon. Et même quand tu, même si tu es allé en Asie, tu peux rater là-bas. Au Gabon, tu ne rateras pas si tu te lèves et tu fais quelque chose. C'est seulement les Gabonais qui sont pauvres au Gabon. Mais ça, le Seigneur me faisait voir une chose. Notre pays ressemble au tel qui le dit. Vous regardez, les routes sont tracées comment? Mais quand je n'ai rien là, je donne quoi? Il faut d'abord que j'ai un rêve, j'ai une vision. Comment je vois que mon frère doit vivre? Comment que je vois que le citoyen de mon pays doit vivre? Mais pour créer une maison à l'étage, pour amener un projet de 20 ans, de 15 ans, il faut être comment? Il faut que je le vois, je rêve. Et même l'après moi, combien sont ceux qui rêvent comme ça? Si vous les élèves, vous commencez à rêver comme ça, vous allez commencer à étudier, vous changer. Rien qu'un petit point de responsabilité que vous avez. Et j'ai dit, l'Église est une puissance. L'Église a une force. Tu es membre de l'Église, tu es nulle part. Quand on te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Prière, tu ne fais pas. L'activité, tu ne fais pas. Mais tu vas changer quoi? On te dit même de changer des choses assis. Tu refuses. Parce que c'est à l'Église qu'on change des choses assis. On reste assis, on prie, mais on sait que la puissance que la prière dégage va bouger les choses. Et pourtant, on n'arrive pas à le faire. Mais maintenant, quand on dit l'Église aussi va cotiser, on critique, ta vie est sale, on va ramasser des sachets qui traînent sur la route en tant qu'Église. Tu ne viendras pas. On dit, on paye les peintures. Et puis on va mettre la peinture sur les bordures des trottoirs pour que quand quelqu'un, un chauffeur la nuit roule ou quand il y a la pluie, il peut bien voir les bords pour qu'il ne parle pas faire l'accident. Tu dis, hein, moi mes enfants, dans la magie, je vais d'abord payer la peinture. Mais tu critiques les mains.
beauté, tu l'as délégué le pouvoir pour dire va faire à ma place. C'est comme il dit que quand tu as le temps, tu dois le faire toi-même. Le propriétaire de la ville, c'est toi le citoyen. Mais après, sur la glace, tu fais quoi? Et tu insultes le maire. La ville n'appartient pas au maire. Le maire est une délégation de pouvoir. Ce sont des élus. Ta poubelle est où de ta maison? Ta poubelle est à combien de mètres de ta maison? Après, tu dis, je ne comprends pas pourquoi tous les enfants tombent là. Ta poubelle est où? À combien de mètres de ta maison? Parfois même, tu es en train de préparer la cuisine, c'est la boîte qui sort. Voilà. Non, pour ça, vous pensez que Dieu ne peut pas se fâcher. Dieu te fâche. C'est un péché. Allez-y lire le Lévitique. Il dit à la profondeur du toilette qu'il faut. Il dit la distance que le toilette doit avoir de la maison. Allez-y lire le Lévitique. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Attends, moi j'ai 20 000. Je prends la peine de faire un toilette. Non, non. Mais parfois on oublie qu'on a une source plus bas. Et quand on va dans l'herbe là, quand il pleut tout ça, ça descend, les autres poireaux en bas. Entre toi et le sorcier, montre-moi la différence. Parce que lui il sort la nuit. Toi ça a tout Nous avons la parole de Dieu. En fait, on ne devait même pas prêcher. Si on lit quelque chose qui cadre à la volonté de Dieu, on l'a fait sans murmurer. Même si c'est le gouvernement. Il y a des choses, parfois, on a dit, joyeux citoyen, vous sortez, vous couffez chez vous. Hey, vous faites quoi? Venez couper. Qui va venir couper? Le chef d'État a voulu exciter pour que vous fassiez quelque chose au moins. Il doit dire quelque chose. C'est comme le chef d'église là. Nettoyez votre maison. C'est un problème. Tu ne nettoies pas. La loi là n'a pas fait pour lui. Vous voyez comment le palais prend. C'est pas lui qui tombera malade. C'est vous-même. Vous cultivez les moustiques. Vous les élevez. Vous-même. Vous avez créé les mécanismes où les moustiques dans le quartier ne sont plus ailleurs. Ils sont chez vous. À la Lopée, il y avait une maman là-bas qu'on appelait maman moustique. Demandez à ma femme. Hein? Elle a fait venir les conteneurs de moustiques. Ça, c'est ce que les gens de la Lopée nous disaient mystiquement. Alors que la nuit, elle envoie sucer le sang. Vous avez entendu les histoires comme ça, non? Bon, toi, quand tu laisses les boîtes de sardines sans les piétiner, tu les jettes dans la bouche derrière chez toi. Le seau qui ne te sert plus, tu le jettes. L'eau tombe dedans. Tu fais quoi? Ce n'est pas l'élevage des moustiques. Bon, toi et maman moustique, la différence est où? Moi, c'est parce que tu viens de commencer ton jardin. Ma maman, elle a commencé par une commande. Simplement, nous dire changeons d'habitude. On dit, quand tu es devenu une chrétienne ou un chrétien, les choses anciennes sont passées. Toutes autres choses sont devenues quoi? Mais les nouvelles, là, on apprend ça au travers de la Bible et au travers des contacts. C'est pourquoi on dit, comment grandir dans la foi chrétienne? On nous dit, alors, la première chose, c'est la communion fraternelle. Est-ce que je reste avec les autres chrétiens? Et les chrétiens qui sont bien. Parce que quand je reste au sein avec le chrétien qui m'amène vers le bas, là, il vaut mieux quitter. Ah oui? Il y a le chrétien ou quand tu veux le voir. Tu as vu Romario. Mais c'est plein pour qui? Lui là. Je dis, en fait, quand je venais là, j'avais déjà sorti la nourriture. Oui, oui. Il faut fouiller. La Bible dit fouiller la tentation. Oui, ça c'est la tentation. Là, il est temps pour que tu le dises. Là, il faut fouiller. Et puis, ça c'est la communion. On parle de la lecture. Mais dans la communion, c'est l'échange également. Quand vous parlez avec Dieu, vous communiez avec lui. Tu
te dis qu'on a des problèmes aujourd'hui pour connaître ce que Dieu nous dit, parce qu'on ne l'écoute plus. Mais pour écouter Dieu, il faut lire la Bible. Plus tu la lis, plus tu comprendras le langage de Dieu. Et vous avez les Bibles sur les smartphones. Donc vous avez vos Bibles à longueur de journée. C'est compliqué. Vraiment compliqué. J'ai regardé et voici paru. Ça, c'est le premier son. Parce qu'on dit comme une voix de tonnerre. Viens, j'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait était un âne. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, le premier son nous a révélé qui? Un vainqueur. On est d'accord? Un vainqueur. On va aller au deuxième. Quand il ouvrit le deuxième seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Où? Celui qui le monta reçut le pouvoir d'enlever la paix dans le, dans la, dans quoi? De la terre. Afin que les hommes se fassent quoi? S'égorgent et tuent les uns et qu'un grand nombre et une grande paix lui fut donnée. Alors,